Salut tout le monde, bienvenue sur Setup GT7 Gamepad. Alors, histoire de changer un petit peu, aujourd'hui je vais vous présenter le setup de la GTR en groupe 4. Voilà, donc c'est ma première voiture en groupe 4 que je vous présente au niveau des setups. Voilà. Alors, on va passer à la hauteur de caisse, 85 à l'avant, 95 à l'arrière. Une hauteur de caisse plutôt haute hein, pour que la voiture puisse tourner correctement. Là, c'est nickel. On passe à la barre anti-roulis. Une barre anti-roulis à fond, à 10 à l'avant. Étant donné qu'il n'y a pas de problème de sous-virage, on la met à fond, ça lui permet de tourner correctement. Et 10 à l'arrière aussi. Voilà, il n'y a pas de problème de sous-virage, donc là on la met à fond. Au niveau de l'amortissement, la compression, 35 à l'avant, 35 à l'arrière. Niveau de l'extension, 50 à l'avant, 50 à l'arrière. Ce qui fait 35-50 pour l'avant et 35 50 pour l'arrière. Donc là, si vous voyez que c'est votre truc, c'est un peu dur quand vous prenez les vibreurs, vous pouvez descendre et mettre sur 30 ou même 20. Vous voyez ça hein. Après. Voilà. Alors, niveau de la fréquence naturelle, 2,65 à l'avant, une fréquence naturelle plutôt comment plutôt souple. Excusez-moi, il y a mon chien là qui est à côté. Donc 2,65 à l'avant. Plutôt souple, comme je vous disais, pour lui permettre de tourner correctement. Donc là, il n'y a pas de problème d'instabilité. Donc on peut se permettre de la mettre plutôt souple. Et un peu plus dur derrière, 2,75. En ce qui concerne le carrossage, moi j'ai mis un à l'avant et un 5 à l'arrière. Voilà. Après, vous pouvez mettre un petit peu plus, hein, si vous voyez que vous glissez un petit peu. Voilà. Moi, ça me convenait comme ça. Après, vous voyez pour le. Voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 2 et 2. Hein, là, tranquille. Alors au niveau du pincement, pour avoir un petit peu de grip, moins 0,10. Et pour du grip en sortie de virage, plus 0,20. Alors le couple, là je vais le rebaisser, hein, j'avais fait un essai à 60, mais je trouve que c'était pas trop concluant. Donc je vais le remettre comme ça. Voilà. Alors au niveau du couple, voilà, hein, c'est une 4 roues motrices comme vous avez pu voir. Donc on a du couple sur l'avant, les roues avant et arrière, bien sûr. Alors 40 à l'avant, 40 à l'arrière. La sensibilité de l'accélération, 40 à l'avant, 40 à l'arrière. Et sensibilité de freinage, 15 et un peu plus incisif à l'arrière, 12. Voilà, alors, donc, ce qui concerne la boîte, hein, donc voilà, nous sommes sur la nouvelle mise à jour 1.27. Et bah voilà, il y a toujours ces fameux bugs de boîte hein, que je constate là. Donc comme c'est ma première voiture en groupe 4, donc je verrai par la suite si les autres elles sont un peu pareilles. Mais là voilà, il y a un bug au niveau de la boîte. Donc comme vous constatez, voilà, donc j'ai mis ma première 49, 63, 79, 96, 112 et 130 avec une vitesse finale à 5000. Hein, voilà, donc logiquement, voilà, elle devrait même saturer. Et la boîte est encore trop longue. Hein. Vous allez voir sur Red Bull, je passe pas la sixième, hein. La cinquième, je suis même pas à fond de cale. Donc voilà. Donc malheureusement, on est obligé de faire avec. Hein. J'ai essayé de faire des boîtes autrement pour voir s'il y avait une solution, mais je n'ai pas trouvé de solution à ce problème-là. C'est vraiment un bug. Hein. Voilà. Donc parce que quand on joue, comment dire, en groupe 4. En full, voilà, il y en a qui jouent en full, moi c'est pas mon délire personnellement, une groupe 4, voilà quoi. Après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème au niveau de la boîte hein, quand on joue en full, hein. C'est simplement en BOP, hein, donc en EDP, voilà. Donc ça, j'espère qu'ils vont résoudre ce problème-là, voilà. Donc je vous fais voir quand même la boîte, hein, pour ceux qui la veulent. Donc vous mettez sur 250 là. Après, vous mettez votre première à 3602, la deuxième à 2846, la troisième à 2264, la quatrième à 1858, la cinquième à 1591 et la sixième à 1415. Voilà. Et là, voilà, la vitesse finale était sur 5000. Vous la mettez à 5000. Voilà, après. Voilà, ce qui fait 130. Donc. Moi, je comprends pas ça au niveau des boîtes. Je trouve ça un petit peu dommage, quoi.
Donc sinon c'est une voiture plutôt sympathique, hein. Après, est-ce que c'est la meilleure maintenant depuis la mise à jour 1.27? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a d'autres voitures qui vont un peu plus vite là. Donc j'ai roulé avec d'autres personnes et il y a des voitures que je trouvais qui allaient vraiment vite, quoi. Donc on verra ça par la suite, hein, sur les prochaines voitures que je vous présenterai en groupe 4. Voilà. Allez, salut tout le monde. Bye.